Nous recevons le groupe sur Choc. Bonjour. Merci à vous d'être là. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Dekis, bonjour. Bonjour, Irem. Priva, bonjour. Bonjour. Et Jaco, bonjour. Bonjour. Alors, vous ne vivez pas ici, vous êtes rentré chez vous, c'est la promotion d'un album. Quelles sont les nouvelles? Ben, les nouvelles sont bonnes. Nous préparons notre 11e album, enfin, qui est déjà fini, qui sortira bientôt. Nous allons proposer ce morceau, cet album-là, à aux Ivoiriens. Voilà, donc pour l'instant, on est en train de terminer le FEMUYA que nous étions venus faire, qui s'est bien passé d'ailleurs. Donc très bientôt, nos fans, la Côte d'Ivoire entière, ils auront de nos nouvelles et puis on sera ensemble. Voilà. D'accord, très bien. Et vous, Priva? Comme il a si bien dit, Dekis, bon, on vient de boucler notre album qui sortira dans quelques temps-ci. Mmh. Voilà, donc là, on est en train d'entreprendre les démarches pour pouvoir le sortir. Quoi. Mmh. Mmh. D'accord. Dites-nous quelque chose de différent. Y a-t-il quoi de différent? Mais les nouvelles, vous n'étiez pas là. Vous êtes arrivé. La ville a changé, par exemple. Ouais, la ville a changé. Ça, ce côté-là, je ne peux pas mentir. C'est vrai que la ville a changé. Et puis, bon, on était un peu perdu, tout et tout. Ça, c'est bien, ça. Donc, vous étiez perdu? Du coup. Bon, quand j'ai perdu, c'est pas par rapport que perdu, tout, perdu, oui, voilà, oui, par rapport aux rues, par rapport aux bouchons, tout ça. Mm-hmm. Donc, bon, c'est un peu difficile, mais bon, on s'adapte. Vous adaptez. Ouais, ouais. D'accord. Vous êtes là pour combien de temps? Et on est encore peut-être pour une semaine. Parce qu'on a fait à peu près 3 semaines déjà. On a, vous avez au FEMUYA? Voilà, effectivement, on a fini le FEMUYA. Mm-hmm. Mais vous savez, la nostalgie du pays, on ne peut pas partir comme ça. Donc, nous, on dit, on ne bouge pas, on reste chez nous. Mm-hmm. Voilà, le temps de déguster les bons mets avec, mm-hmm. avec les frères, les amis, tout, tout. Et puis, ça bon. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu? Juste un an et demi. Hein. Quand même. Hein. Voilà. La dernière fois, c'était en 2012. En 2012, on est arrivé. Ouais. Voilà. La dernière fois, c'était en 2012. Deux ans quand même. Ouais. Et chacun de vous a son activité, sa vie, en fait. Vous êtes où en France? Oui, en France, moi, je suis dans une banlieue parisienne, je suis dans le 45. Mm-hmm. Voilà, je suis agent de sécurité incendie, en dehors de la musique que j'ai fait. Je suis pompier volontaire aussi, secourisme. Ah, okay. Et puis, je suis président des artistes ivoiriens qui résident en Europe. Mm-hmm. Voilà, on appelle le MODER. Donc, on essaie de se mettre ensemble mm-hmm. pour véhiculer le message ivoirien, pour valoriser la culture ivoirienne à travers l'Europe, à travers le monde entier. Mm-hmm. Bon, bref, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et vous? Moi, je suis artiste musicien sur Choc. Je travaille pour le groupe sur Choc. Mm-hmm. Voilà. Exclusivement? Voilà. D'accord. Moi, je suis agent de sécurité incendie aussi, mm-hmm. et puis videur de boîte de nuit, mm-hmm. d'accord. Et puis, je ne suis plus à Paris, je suis à Reims. Mm-hmm. Donc, voilà. D'accord, à Reims, ça. c'est génial. D'accord, alors, on va corps à corps. Oui, Corps à Corps, on l'a sorti en 2009, Corps à Corps, mm-hmm. c'était pour décrier, vous savez, c'est le Zouglou, hein, mm-hmm. chez nous, Mbemi Kedira, c'était pour décrier les mots de la société, Corps à Corps, où chacun a besoin de quelque chose, parce que, bon, la vie étant difficile, mm-hmm. ou même quand elle n'est pas difficile, on a besoin de soutirer quelque chose à quelqu'un, mm-hmm. les barrages passés, c'est là, il y a plein de choses, Corps à Corps, c'est être en contact avec les gens, mm-hmm. sucer cette personne, etc., mm-hmm. etc. Donc, on s'est dit, mais tiens, allons avec l'actualité. Donc, 2009, on a donné Corps à Corps. Nous, quand on chante là, ça se réalise tous les jours. C'est comme ça. Corps à corps. Même à l'église, il y a Corps à Corps. À l'église, il y a Corps à Corps. Les cotisations, c'est Corps à Corps. Dans la rue, il y a Corps à Corps. La vie, et puis vous mettez ça en chanson. Voilà, effectivement. C'est ça le Zouglou. Hein. Il faut imaginer, il faut regarder, il faut véhiculer le message qui est important. Mm-hmm. Voilà. D'accord. On a donc un extrait de Corps à Corps. Ton fils réussit. On est là pour vous donner à têter les enfants. Le
Papillon, Tigba Eric, Kam Lewa, Pablo l'intouchable, Fori Fori, Calvé de Calvé, c'est un marquage individuel. Vous allez m'abiser, pas comme Equassi. Vous allez m'abiser, Yaya sexy. Alors, effectivement, vous avez l'art de caricaturer des situations. On sait qu'elles existent forcément. Oui, mais vous avez dit combien d'albums ? Nous sommes à notre 10e album. 10e album. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a eu des succès ? Oui, effectivement, à chaque fois, il y a eu des succès. Mm-hmm. Voilà. Si vous deviez en choisir trois des succès, ce serait lesquels ? C'est compliqué pour une maman de choisir parmi un bébé parmi tous ses enfants. Mais bon, on essaiera quand même. Trois, on aura le premier album parce que... Mm-hmm. Le premier bébé, il est important. Mm-hmm. Donc, c'est chaud. En fait, on a fait Zio, maman, les ka, Zio. Et on prendra aussi C'est où le boloé, c'est nous, si chaud. Et le troisième. Attends, continue ça, j'aime beaucoup. Ici, Abidjan, c'est nous, gazé, qui peut dire mieux. Et le troisième, que Dieu est témoin. Non, voilà, titilé. Privale yo, nawale titio, 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 nawale titio, 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 j'ai dit sans moi ta danse, à Bougodens, il n'y a pas sexy dance. Voilà. Mais le problème, c'est que pourquoi vous décidez d'arrêter ? On n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté. Non, la mais continuez. Non, non, parmi les vous goûtez. Même la réalisation, on me dit dans mon oreillette, pourquoi ils ont arrêté ? Donc choisissez un et puis chantez-nous ça en acapella. Okay. Et si on veut continuer, on va continuer jusqu'à demain parce que nous, ça passe la nuit. On kana ouli ouli si dibe la ciné. Ayo demi dieu, on s'amia liko. Yako. Ali beli beli nao. On s'amia liko. Tatiana Rose Marie Pierrot. On s'amia liko. Ali beli beli nao. On s'amia liko. Vero Fessi Bijou Joseo. On s'amia liko. Tu m'as dit que tu m'es fidèle. Chérie, tu m'as dit que tu m'es fidèle. Benetou bien la caille, Ali Beya Benetou bien la cadeau tout, tout pléo. Yeah! Pourquoi tu m'as trompé? Là-bas, Zigré tapé. D'où Sarae, bien Isakae, Atobeli Wabatra, Ali Beli Weko, Kogiri Belemo. Tous les week-ends, chaque fin du mois, tu me disais ton mot, chérie, je vais voir un cousin, Ali Beli Weko, Kogiri Belemo. Pourtant c'était fou. Néao, 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 néao. Bébé Aressa. Chérie, ancien bien fiant. Quand tu es souffrante, je suis près de toi. Quand tu es portante, je suis près de toi. Quand tu es en deuil, je suis à tes côtés, chérie. Coco, tes problèmes sont si mes problèmes. Aujourd'hui, tu m'as quitté pour un autre choix. Tu m'as laissé pour une autre vie. Où est Larissa? Yeah, chérie, viens. Où est le grand Bams? Yeah, chérie, viens. Je veux que l'objet de mon désir me désire. Et toi? Chérie, ouais. Pourquoi m'as-tu fait ça? I love you. Pourtant, oh, je t'aimais. Vraiment, oh, vraiment, oh, vraiment, oh. Quand je te vois pas tous les week-ends. Bakoutou. Mon cœur ne fait que battre très fort. Bakoutou.
Chérie Coco, retrouve-moi. Abata, où j'irai pointer. Abata, j'ai les six chants, j'irai pointer. Abata, je viens Bobé, c'est ma destination. Abata, j'ai les six chants, j'irai pointer. Toujours. Abata, je viens Bobé, c'est ma destination. Abata, j'ai les six chants. Non, on a titré. Privale yo, na wala titi yo. Titi yo, titi yo, na wala titi yo. Titi yo, titi yo, allez monte pour ta danse. Kabougotes, n'y a pas sexiness. Viens, va danser. On a dit, oh, vous n'arrêtez pas, on va arrêter. Non, mais c'est, moi, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Vous n'oubliez jamais les paroles? C'est que nous, on a tout. Non, mais au fur et à mesure, au bout du 11e album, chaque album a combien de morceaux? Au moins de minimum 12. Donc 12 que vous n'étiez plus 11. Non, mais ça dépend de l'artiste lui-même parce que on ne vient pas là par hasard et seul le travail paye. Nous, à chaque moment, on est au contact avec nos anciens morceaux, on les retravaille parce qu'on ne sait jamais à quel moment un fan peut te demander mon idole vient me faire rêver. Il faut être toujours prêt. Il ne faut pas balbutier après. Donc, nous, chaque fois qu'on a le temps, sous la douche, en voyage, l'autre côté, au petit coin, on est toujours en train d'essayer de fredonner nos titres. Ce qui fait que, quel que soit le temps, les années, 10 ans après, ça reste toujours. D'accord. Voilà, c'est important. Et ça fait plaisir à soi-même de voir qu'on travaille et le rendement qu'on donne est propre. C'est important. Voilà. Donc, d'accord. Voilà. Sinon, tout est là. Ça est dans notre tête. Tout est là. Toujours. Toujours. D'accord. Et si vous aviez un message adressé à vos fans que vous n'avez pas vu depuis plus de, à peu près un an et demi, pas ni rien, je veux dire. Déjà, ce que j'ai à dire à nos fans, c'est déjà de leur dire merci. De leur dire merci parce que ce qu'on a vu au FEMUA, vraiment, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Tu vois, on a compris que. Qu'est-ce que vous avez vu? La réaction de nos fans, c'est-à-dire le retour du public. Voilà. Ça nous a vraiment fait plaisir. On a compris que la fièvre chuchote du Niakwa demeure encore en eux. Et ça, pour ça, vraiment, je leur tire mon chapeau. Et pour ça aussi, c'est pour eux qu'on reviendra bientôt sur la scène ivoirienne. Pour le 11e album. Effectivement. D'accord. Voilà. Très bien. C'est ça. Hein? Parce que on a vu que les trois générations réunies ont vibré au son du choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 ans après, 15 ans après, même les enfants qui sont là aujourd'hui, tout petits, ils, à entendre ce choc chanter, à voir vraiment les pas esquissés, tout ça, ils ont vibré vraiment, ça nous a fait plaisir. Ça veut dire que le Zouglou, le Niakpa. Ça veut dire que vous traversez les générations. Voilà, on traverse les générations. Ouais. Le Niakpa, le Zouglou, est un vent qui n'est pas. Il part, il revient, il replane, il tourne, et ça berce les gens. Ça fait plaisir. Et sur choc, ça veut dire quoi? Sur choc, c'est ne laisser personne indifférent. Sur choc, c'est un nom qu'on a trouvé. Lorsqu'on a créé le groupe, il y avait Super Choc, il y a plein de noms, et on s'est dit sur le choc. C'est-à-dire que sur le show. Ah, on est au-dessus du show. C'est-à-dire qu'il faut être toujours au-dessus du show. Ça nous amène à procurer du plaisir. Chaque fois qu'on est sur scène, comme on dit, le nom énergie. Hein. Bien sûr. Voilà. Et à chaque fois, même après chaque animation, tout et tout, quand les gens venaient nous dire merci, quand les gens venaient nous saluer, ah les gars, vous êtes choc. Ah les gars, vous êtes choc. Vous êtes choc. Vous êtes choc. Donc au cours d'une réunion, on s'est regardé, on dit bon, ok, le mot choc, là, on le prend d'abord. Et puis on le rajoute sur le choc. Donc on est sur le choc. On est plus que le choc. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, un peu sur choc. D'accord. C'est comme la dernière fois quand on était sur au FEMUA, quand j'ai vu le public en train de vibrer, je me suis dit que, ben, j'ai l'impression qu'on n'est jamais parti de ce pays-là. Parce qu'ils étaient tellement émus, tellement heureux. Ils disent, mais on n'est jamais parti. On dirait qu'on était toujours là. C'est comme si quand on entend une chanson, le public chante avec nous. Ça nous a fait chaud au cœur. Moi, je vous ai regardé. Tu as bien fait. Ah, tu étais là. Mais parce que je passe ma vie devant les antennes, en dehors de l'antenne, je me cache un peu. Donc, je vous regardais sur scène et je me suis posé cette question. Je me suis dit, en Europe, ce sont des personnes qui passent leur temps à faire des scènes. Ou bien chacun a son boulot. C'est pour ça que j'ai commencé par là comme question. Parce qu'on sentait vraiment cette cohésion. Et puis on sentait vraiment que vous êtes habitués. Parce que vous avez beaucoup d'artistes, comme on dit, qui partent à l'étranger. Et puis qui occasionnellement reviennent à la chanson pour ne pas perdre. Mais là, on sent que vous êtes toujours. Vous faites beaucoup de scènes. En fait, nous, là-bas, oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de scènes. Parce que déjà, avant de venir pour le FEMUA, on était à Oslo, en Norvège. Où on allait pour la francophonie, pour donner un concert là-bas. Mais en même temps, c'est vrai que chacun a ses activités. Mais à côté, dans la semaine, on a deux jours de répétition. Par exemple, moi, je suis maître de répétition. Donc, tout un chacun sait que quand on dit mercredi quand il dit et vendredi, on a deux heures de répète en studio.
Donc du coup, voilà quoi, c'est ce qui donne tout ça quoi. D'accord. Okay. Ouais. Vous avez l'air soudé. Généralement, ça marche deux par deux, mais trois. Oui, trois. On dit toujours trois, il y a deux plus un. Non, mais nous, on est soudés. Hein. Mais nous, c'est dû au fait que ben, on a tous grandi ensemble, on a tout, presque tout fait ensemble. Mm-hmm. Donc c'est ce qui fait que bon, c'est ce qui fait que cette longévité, parce que moi, je n'ai pas fait deux jours, par exemple, sans appeler Dekis ou Henri Jacques. Mm-hmm. On est toujours ensemble. Mm-hmm. Donc, il y a dit les trois, ils sont toujours complices. On ne peut pas les dissocier, ils sont toujours ensemble. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, on n'y peut rien, jamais comme ça. Parce que pour ce qu'on fait, par exemple, et puis, il faut qu'on donne l'exemple. Il faut qu'on donne l'exemple de l'union. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement. Si c'est une histoire d'argent, je crois qu'il y a quoi? Peut-être au bout de deux, trois albums, c'est fini, on avait arrêté. On avait arrêté. Tu vois? Donc on a envie que les enfants, la jeune génération prennent vraiment cet exemple-là sur nous. Tu vois? Et ce n'est pas à nous maintenant, du coup, où aujourd'hui, tu as tous les fans, tous les gens qui te suivent, tu vois en train de faire des histoires. Ce n'est pas trop intéressant en fait. Il faut qu'ils prennent des exemples, il faut qu'on montre les exemples, il faut qu'on donne l'exemple. Vous êtes soudés. Ça dit, si un a un problème, c'est que les autres réagissent. Voilà, effectivement, ouais, c'est comme ça. Pour en chérir, il a dit de Jacou, ça vient loin. On était au départ 32, au fur et à mesure. 32 oui. Au départ, au collège, on était 32. On était beaucoup. C'était une troupe. Et c'était toujours sur choc. C'était une troupe. Et dans la troupe, il fallait faire une sélection des sélections au fur et à mesure. Et on est resté 12. On a scindé le groupe en deux pour faire deux albums. Et dans les groupe s'appelait comment? C'était efficacité. Voilà. Il y avait efficacité sur choc. Mais tout ça, c'était l'ensemble sur choc. Ouais. Et après, les six autres qui sont restés dans l'album C'est où le Boile que tu as aimé tout à l'heure, les six autres, on a scellé le groupe aussi en 2-4. On a fait du 2-4 comme au sport. Hein, voilà. Et les deux autres sont entrés dans les troupes de djembé et autres, tout ça, à Nice, etc. Et nous étions quatre. Nous sommes jetés dans le vent, de la musique. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à ce que, malheureusement, le temps nous emporte l'un de nos camarades en 2000, qui est Boris Jean-Pierre à son âme. Et, voilà. Sinon, on est toujours resté soudés. Les dimanches, ce qu'on faisait, on allait manger chez Jacou. L'autre dimanche, on mangeait chez Priva, chez Anissé, etc. etc. Donc, et on avait pour l'être motif de banaliser l'argent et la femme. Et la femme. Voilà. C'est-à-dire que quand un pointe une go, tout le monde se groupe pour que lui, il ait la go là. Donc c'était il n'y avait pas de rivalité. Non, il n'y avait pas de rivalité. Voilà. Et on aimait vraiment ce qu'on faisait. On quittait de loin, l'autre quittait à Bobo. Et pour on se retrouvait là. Et on dormait même à la Belle Étoile, à l'école régionale. Tout. C'était beau. Comment vous avez fait tous les trois pour pouvoir partir et puis vous installer à l'étranger? C'est pas évident. Généralement, on entend qu'un groupe, il y en a un qui a pu partir. Mais les trois, comme ça, là. Nous, on était en plein vogue à Abidjan ici. On devait aller représenter la Côte d'Ivoire, je me souviens bien, au Cora, en Afrique du Sud. Et comme on appelle, au même moment, on a eu d'autres propositions. On devait aller à Paris aussi, en vacances à Paris, pour effectuer une tournée. Donc on a décidé. En Afrique du Sud, bon, c'est les Africains qui sont là-bas. On n'a plus rien à prouver. Voilà. Je me souviens pas, ça me fait. Bon, ce jour. En France, c'est les Blancs. Oui, mais il y a l'Africain blanc en bas là-bas. Voilà. Oui, mais non, là-bas, on a réfléchi, on dit bon, on préfère aller l'autre côté. Dites la vérité. Voilà. Dites la vérité. On a décidé. Parce que là, il y avait France. Donc, vous m'appelez, vous me dites non, on s'assoit pour faire réunion. Quelle réunion? On me dit non. De toute façon, moi, mon choix est déjà fait. Moi, je ne sais même pas de quoi on parlait. Vous parlez de Corée en Afrique du Sud, vous parlez de France, et puis vous voulez vous asseoir pour discuter réunion. De quoi, juger quoi, et comment choisir quoi. La France. Voilà. Non, moi, je dis, mais moi, je suis, on va en France. On est parti en France, tranquillement. Et bon, donc, on a laissé tomber, comme on appelle le Cora. Donc, arrivant à Paris, on a essayé. Le jour même d'abord, je vais vous raconter une histoire. On était à l'aéroport. Le jour. Ah, c'est ce qu'il voulait, comme ça. À l'aéroport, Félix Vauvoyer, on était là. Il y a un monsieur qu'on avait croisé, il s'appelait Yao Jules à l'époque. Il avait la plus grande boîte de nuit africaine en France. Nous, on était à l'aéroport, on attendait l'heure du départ. Et puis, il vient nous voir, il dit mais les gars, vous partez à Paris? Il dit oui. Il dit ah, mais moi. Je veux, comme on appelle la maison, j'ai un contrat pour vous. Si vous arrivez à Paris, je vous fais jouer dans ma boîte. Il dit, ah,
Tu as une fois joué dans ta boîte. Toi, tu es qui? Il dit, lui, c'est Yao Jules. Mm-hmm. Bon, moi, j'entendais le nom, mais je ne le connaissais pas. Mm-hmm. Donc là, là, étant même à l'aéroport, contrat tout souvent, il nous a donné un contrat. En même temps, il nous a donné 2 millions. Il dit, on n'est même pas encore passé à l'aéroport. C'est là, donc, maintenant, dit. Dans l'avion, il est arrivé là-bas, combien? Il nous a donné 2 millions à l'aéroport. Mm-hmm. Il dit, si vous étiez parti à Koura là-même, là, 2 millions, on a qui allait signer contre elle? On n'est pas encore arrivé en France, là, on a 2 millions. Millions. Mm-hmm. Il dit, non, mais les gars, on a pas encore arrivé. Salut, j'ai répondu, vraiment, tu as raison, tu suis. Il a eu la plus grosse part. Non. En plus, ils m'ont pas donné beaucoup. C'est ça aussi, la règle dans le groupe Sichok, que ce soit dans les droits d'auteur, etc. On partage tous jusqu'au dernier centime. Voilà, équitablement, parce que bon, on se dit non. Si toi tu chantes bien, si l'autre danse bien, si l'autre répond bien, c'est parce que c'est le groupe, c'est ce qui donne vraiment une autorité au groupe. Donc voilà, on va jusqu'au bout, c'est comme ça. C'est bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre tout ça et puis savoir que vous êtes toujours aussi soudés. Mais malheureusement, on arrive déjà au terme de cet entretien. C'est vrai. Déjà. Hey. Déjà, tout le suite. Bon, d'accord. Alors, quel est votre mot de fin? Merci à la Côte d'Ivoire, merci aux médias, à la ETI, à vous qui faites des bonnes choses. Parce que c'est grâce à vous que notre carrière connaît un essor remarquable aussi. Merci à toute la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Quand on part, on a mal au cœur parce qu'on a envie de mettre le pays sur notre dos pour partir avec ça. Donc on vous aime, les Ivoiriens. Soyez soudés, soyez unis comme le groupe Sichok. Voilà, et on est ensemble. On est prêts. Comme ça, vous êtes prêts à parer au choc. Voilà. Donc vous êtes au-dessus même du choc. Voilà, c'est ça. Et vous, Priva? Je pense que je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. En tout cas, je veux dire à tous nos élites là, de se souder, de se donner la main dans la main pour essayer de aller dans la même direction. Parce que la Côte d'Ivoire a traversé vraiment comme une période vraiment très, 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 très difficile. Nous, on a été beaucoup affectés par rapport à ça. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mettre de l'eau dans les vins et regarder dans la même direction. Regardez ce beau pays-là. Quand nous, on revient ici, on est content d'être là. Clairement. On n'a même pas envie de partir. Dès qu'il a dit tout à l'heure, même quand je regarde, je dis, il est là, mon Dieu. Quand il pense que je m'en vais aujourd'hui, mais demain, ça, j'ai lâché le poule. Il dit, je laisse mon pays pour aller dans le pays de quelqu'un d'autre. Tu vois? Mais quelque part, on dit, mieux vaut être esclave au paradis que d'être roi en enfer. Tu vois? Ici, là, c'est bon, mais si les politiciens essaient de mettre la main ensemble, j'espère que ici, la notre paradis, là, ça sera ici. D'accord. C'est clair. Hein? Bon, comme on l'a dit, on ne peut pas répéter les mêmes choses. Donc, du coup, c'est de vraiment laisser tomber les rancœurs et de vraiment ouvrir le cœur pour une sincère réconciliation. Je pense que si on arrive à ça, je pense que tout ira de mieux. D'accord. Voilà. Bisous à la Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Hein. D'avoir accepté notre invitation. J'entends bien. Mais attends, il y a le morceau que j'adore qui passe pour la première fois. Ah oui, d'accord. Vous dites, on est là. On est là pour danser. Ou bien avant que vous commenciez, et puis la musique prend le relais. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tout prend pas loin. Quand tu as assis, tes problèmes sont assis. Vas-y. Allez-y. Ah, mon yodé! Ah, ouais, d'accord. Alors, oui, et puis, on m'a dit en haut. Ah, ok, d'accord. Alors, on y va. Ah, mon yodé, les privats. Maman yodé, oh! Maman yodé, oh! Horimi, mayadé, tia. Elle est d'ami, mayadé, quoi fou. Maman yodé, oh! Enfant de la rue. Enfant dans la rue, le mouton qu'ils ont sacrifié n'est pas encore mort. Victime de la société, sois tolérant. Quelles que soient les difficultés, pour toi va sortir. Si ta vie a changé, c'est papa et maman. Ils nous ont réservé un avenir très dur. L'éducation, c'est la base, si elle est ratée. Ta vie est foutue à jamais. Zouglou Ayadje, Zande, Gwewewe. Mimepo, Mikona, Yagidien. Ça peut te dire demain, elle est mon père. Drôle de coton, alléluia, DJ. Miss Fred. Merci. Donc je crois que la musique va prendre le relais. Faut pas chercher histoire où il n'y a pas géographie. Et t'es pas parlé. Ah oh yeah, on est là pour chauffer. Ah oh yeah,
Choqué, laisse à faire, à faire va te laisser. En même temps, mieux.